Les familiales sont difficiles à vendre aux États-Unis. Ce n'est pas parce que la plupart des gens veulent un SUV, même si c'est le cas. Ce n'est pas non plus que la vue d'un toit long déclenche les SSPT dû à des années de maltraitance entre frères et sœurs dans la troisième rangée latérale du Dad Country Square, même si c'est possible. C'est que le marché n'a pas de sens. Prenez l'Audi, RS6 avant. Elle est la 6 alrad ont été lancées pour 2021, et la RS6, près d'un tiers plus chère. Surpasse la 6. Il forme un groupe inconditionnel, ses acheteurs de familiales. Et même si la RS6 est merveilleusement puissante et dynamique, elle était un peu trop silencieuse, un peu trop raffinée et un peu trop douce. Il voulait une machine encore plus tranchante. Pour l'année modèle 2024, Audi a écouté ses clients et a déployé le modèle mis à jour, désormais baptisé RS6 avant performance. La nouvelle RS6 Performance perd un peu d'isolation phonique et gagne 30 chevaux et 37 livres-pieds de couple. L'avantage du V8 biturbo de 4,0 litres, développant désormais 621 chevaux et 627 livres-pieds, est dû à une turbine de turbocompresseur plus grande et à une nouvelle cartographie du moteur. La poussée maximale peut atteindre 23,2 psi au lieu de 20,3. Le Bost supplémentaire s'accompagne d'aucun décalage supplémentaire. Le moteur à chaud en V répond instantanément aux sollicitations de l'accélérateur, tandis que la boîte automatique à 8 rapports d'origine Z a bénéficié de rétrogradations rapides qui sont censées être plus rapides. Les ingénieurs Audi ont également retravaillé le différentiel central à glissement limité Torsen pour aider à réduire le sous-virage. La réduction de l'isolation phonique sur le pare-feu supprime une certaine isolation et donne au moteur un aboiement plus important à l'intérieur. Si cela ne suffit toujours pas, il existe un échappement sport RS disponible qui est encore plus bruyant. La puissance supplémentaire devrait être suffisante pour faire passer le temps de 100 km par heure sous le seuil de 3,0 secondes, ce qui ne renversera pas tout à fait la BMW M5, la plus rapide de sa catégorie. Mais le RS6 ne sera plus l'un des plus lents. Nous parlons ici d'un dixième de seconde, peut-être deux, mais le droit de se vanter est important. Ne vous laissez pas prendre par les chiffres de cette voiture. Ce que l'on recet plus important. Les nouvelles roues à rayons en i de 22 pouces et les pneus Continental Sport Contact 7 réduisent 11 livres par rapport aux 21 pouces standard. Et si vous souhaitez vraiment réduire la masse non suspendue, optez pour l'ensemble de freins en carbone céramique, qui enlève près de 17 livres à chaque virage. Le compromis est une pédale de frein délicate, ou du moins. Ils ont une courbe d'apprentissage que nous n'avons jamais vraiment maîtrisée lors de notre court trajet dans la Napa Valley, mais sur la base de notre expérience avec les rotors en céramique dans d'autres voitures du groupe VW, nous pensons que nous nous acclimaterions à eux, éventuellement. Avec ou sans les freins en option, la masse non suspendue réduite transforme la direction d'assez silencieuse en quelque chose avec un véritable retour d'information. Le wagon d'environ 4900 livres porte toujours son V8 complètement en avant de sa ligne déçue avant, et le sous-virage est efficacement maîtrisé lors d'une explosion de canyon. C'est jusqu'à ce que vous alliez trop vite pour le virage. Les Continentales ont beaucoup d'adhérence, et lorsque le contrôle de stabilité intervient, c'est un léger coup de pouce qui ne tue pas le rythme et ne fait pas croire à vos passagers que vous ne pouvez pas conduire. Alors que la RS6 a été lancée aux États-Unis uniquement avec des ressorts pneumatiques, la suspension plus sportive dynamique Ride Control, DRC, a discrètement rejoint la liste des options un an plus tard pour 2022. Elle résiste au tangage et au roulis grâce à l'hydraulique, mais lorsqu'une roue individuelle bouge, comme dans un nid de poule, le système hydraulique n'augmente pas la résistance à la compression. Ce n'est que lorsque les deux roues d'un essieu, comme lors d'une accélération ou d'un freinage, ou d'un côté, dans les virages, Bouge en face que le système hydraulique maintient la carrosserie en position verticale. Si vous envisagez de suivre un RS6, le DRC vaut le supplément, mais les ressorts en acier à ressort rigide ne se rapprochent pas du confort des ressorts pneumatiques standard. Visuellement parlant, le RS6 avant performance n'est pas si différent de son prédécesseur. Les pare-chocs ont été légèrement modifiés et les éléments de garniture extérieure sont désormais finis en gris mat. Ce que vous remarquerez davantage. Ce sont les options visuelles, quatre finitions de roues différentes, trois coques de rétroviseurs différentes, trois couleurs de couture intérieure et trois couleurs d'étrier de frein offrent de nombreuses combinaisons. Une édition bronze, limitée à seulement 75 exemplaires, combine des roues de couleur bronze avec une peinture noire nacrée qui offre une présence saisissante sur le trottoir. Il convient de noter que la RS7 Sportbox Performance mécaniquement identique est également disponible. Mais pour une raison quelconque, elle coûte 2000 dollars de plus. Même à 127 000 dollars pour la RS6, Audi en vendra sûrement autant qu'elle voudra en envoyer.